ceci mérite qu'on trouble le sommeil d'un despote désincarné comme moi. Non, mais dites-moi que je rêve. À tous les fantômes. Oh, et à tous les monstres aussi. Pac-Man et compagnie sont en balade au royaume. Capturez-les sur le champ de bataille, bien sûr. Je vais aspirer le cerveau de ce gros bonbon jaune citron d'ici le petit déjeuner. Je pourrais même me le faire servir sur un plateau. Oh, on dirait que ton petit copain... Pas la peine d'en rajouter, Inky. C'est quoi le plan? On a de la compagnie, Pac. Un Pac en cas. Je ne m'étais plus autant amusé depuis. Je ne saurais plus dire quand. Est-ce qu'il va pouvoir rester hors de leur chemin? Il ne réussira jamais à semer ses cracheurs de feu. On revient en un seul morceau. Quasiment. J'avoue que j'ai bien failli faire vaciller notre mission, mais on a tout de même récolté la moitié du gélatitane qu'il me faut pour achever mon invention. Quoi que vous puissiez fabriquer, circonférence, ça ne mérite pas de faire prendre le risque à Baxter de se faire lobotomiser. Sans blague. D'accord, n'en dites pas plus. Je vois bien que vous pensez que le combattant de la liberté a fait son temps. Eh bien, vous avez peut-être raison. Circonf avait l'air vraiment triste. Il a peut-être raté son coup aujourd'hui, mais il a créé des tas d'inventions géniales. Qui finissent toujours par nous aider à sauver Pac-World. Allez, venez. On va dire à Circonf qu'on est prêt à aller récolter le reste du gélatitane dont il a besoin. Je suis avec toi, Pac. Ça marche pour moi. Qu'est-ce que tu racontes, Fuzzbeez? Aucun de nous ne parle le monstre. C'est à propos de circonférence. Tu essayes de nous dire qu'il est retourné au royaume des ténèbres, tout seul. Grindr n'est pas avec lui. Amenez-le-moi!
gourre pas, et j'espère bien que si, ce chemin mène au château de Perfilus. Ce qui veut dire que Circonférence a peut-être déjà été fait prisonnier? J'avoue d'impatience d'aspirer le cerveau de Circonférence. Ce sera un honneur pour moi d'extraire de ses crânes d'œufs l'esprit le plus brillant au monde, après le mien évidemment. Oh, quand je pense à toute cette connaissance que Parkworld va perdre au profit du grand royaume des ténèbres. J'aurais préféré le cerveau de Pac-Man plutôt que de ce vieux schnock baboule, mais vas-y, aspire-lui ce qui lui reste de bon sens. Eh bien, même si je suis voué à devenir un zombie tout gaga, j'ai de la chance d'être tombé entre les mains d'un adversaire digne de ce nom. Mais avant que mes cellules grises soient réduites en bouillie, je souhaiterais tout de même savoir comment marche cette brillante invention. Ah, Frétil, c'est ingénieusement simple. Il s'agit d'un appareil... Oh, assez! Arrête de te pavaner, sinon j'aspire ton égo démesuré une fois pour toutes et je le mets aussi en bouteille. Oh, bon, très bien, à vos ordres, votre impériosité. L'heure est grave, très très grave. Attrapez-moi ce vendu de fuzzball et retirez-moi ce satané casque de malheur. Cela sera plus évident si vous cessez de bouger dans tous les sens, Monseigneur Newt. Alors, en effet, il faudrait que je songe à inventer des pastilles pour rafraîchir ton haleine. N'essayez surtout pas de m'aspirer le cerveau. J'aurais peut-être
peut-être mieux fait de laisser Circonférence reclus dans son labo.